couple of weeks ago in Madrid. But her movement's a lot better, Lindsay, but still... Lovely shot. Very composed there, Lindsay. Carol. Just got the line. And again. Snuck that one down the line. As you can see, Steffi Vicario serving for the match against Silvia Plíšková. And here's a chance for Steffi. Fine shot. Just in that match against Enna. To boss Lindsay now. Sure. What's up? Very businesslike. Yes, well done. Wow, was that needed? Elle est bien partie dans ce match puisqu'elle mène 4 jeux à 1 déjà et que Lindsay est à 15-40 sur sa mise en jeu. Et voilà, jeu, nouveau jeu pour Steffi Graf. On sait que... Eh ouais, elle en profite, Steffi Graf, elle sait que Lindsay doit être forte. Un instant de réaction un peu plus long, elle manque de vivacité sur les démarrages. Steffi le sait. Voilà, quand même, elle a pu s'approcher de façon victorieuse cette fois. Oh là là, oui. Bien joué, Steffi. Tableau féminin, 3/4 de finale. Le Suzanne Lenglen est plein. C'est la dernière journée pour ce cours. Oh ouais, encore une fois amorti. Et ça suffit pour laisser Lindsay Davenport scotché sur place. Eh bien, dites-moi, 6-1 dans la première manche pour Steffi Graf en 23 minutes. Habituellement, c'est plutôt des scores. Voilà, ça. Ouais, oui, ça ne suffit pas pour déborder Steffi Graf. Surtout. Voilà, et jeu pour l'américaine qui prend son service pour commencer cette. Ah ouais, encore cet extraordinaire coup droit. Et... Jouer Steffi, joue en avançant sur ce smash.
Et ouais, encore une fois, elle est loin de la balle. Incroyable, Stéphie Graf, elle sait exactement comment il faut jouer. Ah oui. Ça ne joue pas comme monter face à une Stéphie Graf virevoltante, très très en forme en ce début de match. Ah, ça touche la ligne, me semble-t-il. Même on sent pas. Ah, là, elle est vulnérable. Voilà, quand elle avance comme cela, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est une séquence de jeu qu'on a l'habitude. Oui, parce que quand c'est plus court, évidemment, c'est pas la même chanson. Et ben voilà, ça se termine par un aïe, celle. 40-0. Bien joué. Bien joué. Oh oui, avec de la réussite, elle a tenté le tout pour le tout sur ce retour. 30-0. Voilà, pas besoin de plus que ça pour remporter. Sans problème pour l'Unité Davenport, encore une fois, en allant de l'avant, ça va. La suite de cette journée des quarts de finale masculin et féminin, ici à Roland-Garros, sur France 2. A tout de suite. Un peu de série sur l'ensemble des deux tableaux masculins et féminins. Ça prouve que le Roland-Garros 99 est un bon cru pour les nouvelles recrues et les bons joueurs de terre battue. C'est vrai que au départ, on ne savait pas trop qui allait vraiment s'imposer. Et puis, chez les hommes, à part Gustavo Kuerten. Lovely. Guile there to follow the power. Yes. Voilà. Et combien de fois on aurait voulu.
débordé. Une fois de plus débordé, Lindsay Davenport. Bien joué Lindsay. Bien joué, elle est revenue à hauteur, à une manche partout. Franchement, j'y croyais pas trop pour elle, jusqu'au milieu du deuxième set. Eh bien, elle a été très courageuse, d'une part, elle a... Il a un fichier de ce côté, Sophie. C'est curieux quand même que sur le point important, Stéphie perd. Bon, mal apprécié. Voilà, elle est morte de rire. Elle n'en croit pas ses yeux. Comment j'ai pu aussi mal. 60 cm dans le cours. Voilà, ça va mieux là. Magnifique, magnifiquement glissé ce revers croisé de la part de Steffi Graf. Qui va devoir encore une fois sauver son service. Ça sort. Oh là là, comment elle a trouvé cet angle, Steffi Graf. Non, ça a touché le fil. Et en plus, c'est annoncé dehors. Un tout petit peu long. En tout cas, Lindsay Davenport a dit I don't know, je ne sais pas. Et elle... really at Roland Garros. On en parlera de cet épisode plus tard, si vous voulez. Oui, Lindsay, bien joué. Ah, elle va pas. Eh oui, voilà, un jeu blanc remporté par Davenport qui revient à 5 jeux à 2. Ouais, ça commence à Davenport, ça aurait été fatal si elle est battue, parce qu'on ne sait jamais si c'est le but de cette rencontre. Steffi, sa formule gagnante, eh bien, elle s'expose. Ça a été le cas sur son jeu de service tout à l'heure. Ah oui. Les balles courtes, elles... Ouh. Anaïs pour terminer.
Ouh, ça accroche la ligne ce retour. Ah, il va falloir patienter. Magnifique coup droit, magnifique coup droit en plein dans l'angle là-bas. Et la cinquième est la bonne. Et le bonheur et le soulagement de Steffi Graf qui s'offre là sa 11e demi-finale à Roland-Garros après une année d'absence. C'est un extraordinaire retour pour Steffi qui retrouvera en demi-finale Martinez ou Céleste, et on peut constater que malgré tout, on n'arrête pas de parler de la nouvelle